L'excellent Gilles Marchal est ah, avec oh, nous merci, Une merci. pâtisserie dans le 18ème, je vous serre la main Non, ou, non, non c'est pour tout, tout à l'heure On ne peut plus serrer la main C'est pour la truffe de tout à l'heure Désolé encore une fois, mais c'est ouais, vrai non, mais que... T'as pas dit que c'était pas bon dossier, franchement. Euh... Voilà, Et moi je vous dis, je suis un, pour le coup un fan de la galette des rois, la pure, frangipane, simple, et je trouve que c'est comme ça qu'elle est la meilleure, et c'est ce que vous allez nous apprendre à faire aujourd'hui, c'est ça je crois que c'est ce qui est important d'abord dans la, dans la galette, pour l'apprécier, c'est de connaître la traditionnelle. Ouais. Voilà. Et une galette traditionnelle, c'est d'abord un très bon feuilletage au beurre. Alors ça, c'est pas facile à faire à la maison. C'est pas facile à faire à la maison, mais il y en a qui, qui se lancent. Mais dans certaines pâtisseries d'ailleurs, il y a des professionnels qui sont uniquement attachés à la pâte feuilletée. Exactement. Il ouais. et, et et, et... y a la pâte feuilletée inversée, y a, bon, bon, chacun ça. a sa recette. Toi. Et donc la pâte feuilletée, oui, si on veut l'avoir de qualité, alors on peut la prendre en supermarché, on peut également, on n'y pense pas toujours, la demander à son pâtissier. À son pâtissier, euh, son pâtissier ou son boulanger, ouais. lui, lui faire les yeux doux. Hein, dire à madame d'aller ah ah. voir le pâtissier du coin de la rue. Et qu'il si nous vende quelques rouleaux. Euh, voilà, ou, me... ou carrément, s'il est encore super ah, est sympa, faire carrément la dimension que vous avez besoin. Ah oui, ouais, ou alors même Mais qu'il soit commerce... au beurre, vraiment, avec un beurre à OP, Au C'est au moins. Euh, même dans le commerce, maintenant, il y en a certaines qui sont un peu plus épaisses. Mais en termes d'ingrédients, donc effectivement, alors, il faut une bonne pâte, pâte feuilletée. Bonne pâte feuilletée. Il faut d'autres ingrédients. Alors, donc la pâte feuilletée, la poudre d'amande, du sucre en poudre, du sucre glace, du lait, du beurre, un peu de fécule de maïs, des œufs. Un peu de rhum pour celle de Gilles, Gilles Marshall ouais. et un petit peu de crème de vanille, pardon. Bon de... alors j'imagine qu'on va démarrer par la préparation de la frangipane. Qu'est-ce fameuse... que c'est une frangipane déjà Alors la frangipane, c'est une recette qui est très simple en fait puisque la base de la frangipane, c'est une crème d'amande. Ouais. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans cette recette là, il y a un petit peu de rhum et puis aussi de la fécule de maïs parce que dans la frangipane, c'est la base de crème d'amande dans laquelle on incorpore un supplément qui est une crème pâtissière à la vanille. D'accord, c'est cette alliance crème d'amande. C'est important, plus et ça c'est très important. important. Et donc pour faire la frangipane, donc on a déjà préparé une crème pâtissière. Une crème, pâtissière. crème pâtissière à la vanille. Que vous Pouvez-vous rappeler en deux mots ce qu'il y a une dans Crème pâtissière, pâtissière. c'est du lait avec euh, des jaunes d'œufs, un, un petit peu de sucre, bien sûr de la vanille, et puis euh, pour euh, épaissir tout ça, il faut une, euh, un féculent. Moi, je mets de la farine de maïs. Voilà. Donc, une et une pâtissière on la parfume classique. avec un peu de vanille. Voilà. Une crème pâtissière classique. Et après, donc pour la crème d'amande, en revanche. Alors crème d'amande. Aussi, pareil, les ingrédients de la crème d'amande, c'est important. Un beurre à enfin, Tout ramolli, comme ça euh, Oui, euh, ramolli, pour Pomade. Euh, faire le mélange pommade. Un ouais. Beurre pommade. Bien ouais. pommade. Bien sûr, une très belle poudre d'amande. Ouais. La poudre d'amande. Est-ce que c'est important qu'on qu l'achète Est-ce qu'on est qu la fait nous-mêmes, la poudre d'amande Est-ce qu'il faut broyer soi-même les amandes Est-ce est que c'est meilleur est ou... on peut l'acheter euh... Oui, alors euh, l'idéal, franchement, si vous pouvez le faire, oui. Ouais. Parce que quand vous broyez vos amandes au fur et à mesure, tous les parfums de l'amande sont En termes de goût, c'est oui. quand même pas mal. Hein. Parce que dans l'amande, il y a l'huile d'amande. Et si plus vous la réduisez en poudre très tôt et, et ce goût-là, en fait, disparaît. D'ailleurs, certaines personnes ajoutent de l'essence d'amande, mais ça apporte quand même un goût. Oui, euh, c'est de l'amande la, amère, c'est pas très... Non. Vous, vous connaissez les, ouais, les mauvaises galettes d'ailleurs. Les mauvaises galettes, elles sont bourrées de... de Donc là, le beurre pommade, on a Top mis là. la poudre d'amande, on va ouais. mettre le sucre glace. D'accord. Ah, du sucre glace. Oui, ah. sucre glace. Pour l'incorporation, c'est beaucoup plus simple. Okay. Et enfin et les oeufs oeufs battus. Et puis en fait, en fait, les œufs en fait, battus à la fin. Et on va faire un mélange. C'est tout simple. Alors, ce qui est important, c'est que le beurre soit bien pommade et surtout que les œufs soient pas froids. D'accord. Parce que si, si les œufs sont trop froids lors du mélange, ça va vous faire figer votre beurre et vous avoir des morceaux de beurre qui ne sont pas bien mélangés dans votre crème d'amande. Donc des œufs à température ambiante. À température ambiante. Très Alors, ambiante. important. On mélange tout ça Alors, et c'est à ça qu'on va venir ajouter la crème pâtissière. Exactement. Ça, à ce exactement. premier mélange. Alors la crème pâtissière, on met ou non si on le souhaite pour parfumer. Je dis bien pas alcooliser mais parfumer la crème d'amande. Ouais. On met. Un toute petite pointe rom. Je vous laisse faire. On a un petit peu de pointe, tout petit de rhum pointe de rhum, Voilà. Ah oui, vous allez venir rajouter Voilà, dans la dans la crème pâtissière puis, plutôt que dans la crème d'amande. Voilà. Et à la fois, ça va la détendre aussi. Hein, comme ça, elle sera plus facile au niveau de l'incorporation après dans la crème d'amande. Donc tout ça, on a bien compris, on va le mélanger ensemble. Et voilà. On va l'incorporer dans une douille. Voilà. Et ça va permettre de venir garnir notre disque. Voilà, une fois que votre frangipane est fini, hein, euh, une fois qu'on a mélangé la pâtissière avec la crème d'amande, on, on obtient ceci, ceci. qu'on a laissé reposer euh, dans la poche ou directement dans votre récipient ouais. au réfrigérateur pendant deux heures. C'est pour, vous... pour ça que c'est bien dur. Aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est un petit ça, peu. Ça, c'est très important la de là, la laisser voilà. reposer. Exactement. Voilà, après ce qui Alors est important, c'est que la, votre pâte soit froide au moment oui. du montage. Donc pareil, non. on la met au frais. Au, au réfrigérateur. Et là, pour en fait, coller d'abord les deux. Les deux disques de pâte, on va mettre sur le tour une très fine couche d'eau. Voilà, ouais. Pour pouvoir souder les bords. On peut le faire à la dorure aussi. Hein. Oui. Ça, ça. Et ensuite, on va simplement garnir la, la pâte feuilletée. Alors, on peut la garnir à la douille, hein, pour, euh, quand on est un peu professionnel. Moi, personnellement, je la garnis à la spatule. Ouais, la spatule hop là, ouais. à la marise ouais. directement. Et derrière, on va mettre un deuxième disque. Voilà. D'ailleurs, on a, on a une petite doublure, la voilà. Thomas. Voilà. Et regardez, Justement, Je vais commencer on juste, juste ça, voilà, pour montrer juste, le... juste au moins le, le centre. Voilà. Ah, et alors, l'essentiel, c'est que je crois qu'il faut laisser à peu près 2 cm. 2 cm et demi sur, sur les extérieurs. Pour faire la pour... soudure. Exactement. Oui. Et pour éviter surtout que la, que la frangipane ne déborde de la, de la galette. Et là, bah. et là chose, chose importante aussi. On débarrasser. Peut la Ah feuille. oui, oui, c'est oui. le moment de mettre la fève. Voilà. On peut la mettre avant, il n'y a pas de problème. Sur le côté. Très bien. Bon, on va vous laisser continuer voilà. à travailler parce que derrière, il va falloir la décorer et aussi, oui, cette la galette, la dorer avec du jaune d'œuf. Vous allez faire tout ça.